Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Salut tout le monde ici. Ok, merci, merci à vous. Salut tout le monde ici, connectez-vous. Comme ça, on va aller dans le sujet. Salut, salut à vous tous. Salut mon frère Amadou Traoré, salut mon soeur Aminata Aminata. Salut mon frère Kaïma Touré, ça va bien? Et la famille, j'espère que tout le monde va bien. Donc, assalamu alaikum. Balmas le meu, ivoirien, ivoirienne. Mokrobo, ni mchokrobo, ni mchokrobo, demsenu, tjeni mousso. Salam alaikum gafouli babé. Je vous salue vous tous ici aujourd'hui. Soyez les bienvenus. Donc on va essayer de parler un peu rapidement. On ne va pas durer tellement. Quelques minutes seulement. Pour parler à nos deux cadres. On va parler à nos deux cadres. Qui sont l'honorable Alpha Yaya Touré et le DG de fer Djabi Lansina. On doit parler à ces deux grands cadres. Qui ont fait beaucoup pendant la campagne présidentielle, qui ont travaillé beaucoup aussi, qui sont en train de faire beaucoup de choses pour la jeunesse, pour la population ivoirienne. On salue leur mérite et on salue vraiment tout ce qu'ils sont en train de faire pour la Côte d'Ivoire et pour la jeunesse ivoirienne. Cela est très important, mais quand il y a quelque chose, quand il y a des choses qui ne vont pas entre nos cadres, surtout ces deux grands cadres, on doit en parler, on doit essayer de les faire revenir à la raison. Parce que cela est normal, vous savez, dans la vie, les disputes et les conflits font partie de la vie, on le sait très bien. Et tout le monde connaît des ruptures et des périodes de crise dans la vie aussi, vous voyez. Donc, moi aujourd'hui, je pense que bon, ce qui est en train de se passer entre ces deux grands cadres, bon, moi je n'appelle pas ça un conflit. Je peux dire que c'est une tension, hein? Donc c'est une tension entre ces deux, parce que vraiment, et donc cela est normal, il est normal qu'il y ait ce genre de tension entre deux frères, car cela fait partie de la vie. Mais vous savez, il est temps qu'on en parle de cela, parce que si vous regardez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sous tension, la Côte d'Ivoire a subi beaucoup de crises, la Côte d'Ivoire revient de loin. Tout ça, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous voyons entre le président Ouattara, Henri Konabédié, Laurent Gbagbo, politiquement, ils ne se sont pas entendus. Vous voyez,
Et c'est ce qui a amené toutes ces crises-là aujourd'hui que nous sommes en train de subir. Donc, moi, je sais pourquoi j'aimerais interpeller ces deux grands cadres, l'honorable Alpha Yaya Touré et Djabil Assina. Je ne veux pas que ces deux grands cadres, hein, suivent ce même chemin. Hein, et que aujourd'hui, parce qu'un problème personnel ne doit pas être mélangé à la politique, vous voyez, on ne doit pas interférer les problèmes personnels à la politique. Donc, puisque ces deux grands cadres, s'ils sont en train de faire cela, la division entre eux, la tension, le conflit entre eux, c'est comme s'ils sont en train de faire comme ce qui s'est passé entre le président Ouattara, Bédié et Laurent Gbagbo, qui a plongé la Côte d'Ivoire aujourd'hui dans une crise. Donc, moi, j'interpelle ces deux grands cadres. Arrêtez cela parce que je crois que la Côte d'Ivoire ne mérite pas cela, vous comprenez? Et cela est très très important parce que c'est ce qu'on doit leur faire comprendre. Parce que quand je les regarde aujourd'hui, ces deux personnes, parce que quand je les regarde vraiment, deux personnes qui s'apprécient et qui sont vraies l'un envers l'autre, vous voyez, connaissent forcément des périodes de désaccord, vous voyez. Donc, il y a toujours des périodes de désaccord. Mais dans la vie, il y a toujours des moments de tension, des moments de trouble, des moments de conflit. Mais il faut aussi penser à la paix. Salut mon frère Charlie Parker, depuis la France, mes respects. Vous voyez, il faut aussi parler de la paix. Parce que, vous savez, je vais parler à l'honorable Alpha Yaya Touré et au DG de FAI, Djabil Assina, parce que je dois leur parler aujourd'hui. Parce que vraiment, savoir vraiment se réconcilier et savoir pardonner à l'autre est un immense geste, vous voyez, d'amour. C'est vrai cela. Et envers soi et envers l'autre aussi. Parce que c'est ça qui est important. Parce qu'une relation se construit à deux. Vous voyez, et je crois que chacun des deux ont leur part de responsabilité à ce qui est en train de se passer entre eux aujourd'hui. Vous voyez, parce que quand vous prenez moi aujourd'hui, je vais m'adresser à l'honorable Alpha Yaya Touré. Je m'appuie sur l'honorable Alpha Yaya Touré. C'est ça qu'elle a dit. Parce que en tant que jeune frère du DG Djabil Lansina, j'ai pris l'honorable Alpha Yaya Touré d'aller s'excuser auprès de son aîné. Vous comprenez? Parce que lui-même, dans notre coutume, comme il est Djoula, quand je dis Djoula, je parle en général. Vous comprenez? Parce que chez nous, hein, le petit frère a toujours tort. Même s'il a raison, il a toujours tort. Donc le petit frère doit aller toujours vers l'aîné pour lui présenter ses excuses. C'est pourquoi j'ai dit que je m'appuie sur l'honorable Alpha Yaya Touré. J'espère qu'il va faire ce geste-là. Parce que dans la vie, on peut blesser maladroitement, tu vois, non, son prochain par des mots, par des gestes, sans qu'on s'en rende compte. Vous voyez. Bon, mais je ne dis pas à l'honorable Alpha Yaya Touré qu'il a tort ou bien qu'il a raison. Je parle généralement. Vous voyez. Parce que, et il faut comprendre aujourd'hui que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. L'homme vient dans la main des gens et on va dans la main des gens. C'est ça qui est la réalité. Donc, si vraiment, comme on le dit en Doula, amna de boulot, amta de boulot. Donc, aujourd'hui, tout ce que l'homme fait, on dit qu'on est riche, on a l'argent, je suis plus fort. Vous voyez, hein? On me fait pas ça là, des trucs comme ça. Bon, tout ça là, tu vas mourir sur la terre. Nous marchons sur la terre. C'est sur ce même terre là on va aller. Ils vont nous enterrer. Et les gens vont venir marcher sur toi et que tu ne peux rien faire. C'est ce quoi. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils doivent arrêter ça. Parce que mon enfant, on n'est rien. Un mouronné, un brodé, quoi. Tu vois, non? Donc, c'est pourquoi je parle à l'honorable Alpha Yaya Touré, hein, de comprendre cela. Parce que aller vers son aîné, qui est le DG Djabil Assina, ne veut pas dire que, hein, il est faible de caractère. Non. Parce que cela va lui grandir. Cela va lui donner plus d'estime, plus de grandeur. Parce que, au te fouet, bro, à la quoi. Non, ma ke m'robot, quoi. C'est ce que l'honorable Alpha Yaya doit comprendre. Bonjour, maman Pélagie.
et la journée. Ça va bien. Parce que c'est ça qui est la réalité. C'est pourquoi j'ai dit que je vais leur parler pour qu'ils enterrent leur hache de guerre. Parce que cela, c'est pas bon dans un parti, un grand parti. Il faut pas ternir, il faut pas mettre le travail du président Ouattara, hein, dans l'eau. C'est pas bien. Parce que ces deux grands cadres, moi je vous dis que ce sont des frères. Et même s'il y a encore des doutes entre eux, bon, ils doivent montrer qu'ils ont de l'estime et beaucoup de respect, hein, envers l'un envers l'autre. C'est ça qui est important. Parce que les deux, ils sont tous importants l'un pour l'autre. Parce que c'est l'homme qui fait l'homme. Moi, je veux me roquer, quoi. Donc, en ce cas, t'as encore, quoi. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Parce que, comme ils sont des musulmans, les deux, parce que Allah irait, le Tout-Puissant, rehausse l'honneur de celui qui pardonne. C'est ce que l'honorable Alpha-Yaya Touré, il doit comprendre. Donc, s'il va en premier et saluer le DG et lui présenter ses pardons, je pense que Dieu va le rehausser aussi. C'est ça qui est la réalité et cela est très très important. Parce que il est illicite et il est vraiment illicite pour ces deux musulmans. Ils doivent comprendre que pour un musulman de rompre une toute relation avec son frère musulman pendant plus de 3 jours consécutifs, et même ils savent ça, que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ils savent, ce sont des musulmans. Ils savent que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas acceptable dans la religion musulmane. Donc, le meilleur est celui qui pardonne, le premier. C'est ça qui est la réalité. Donc, moi, j'ai dit que ces deux, si vraiment, je pense que ces deux, ils aimeraient vraiment que Dieu les pardonne. C'est ce qu'ils veulent. Et c'est ce que nous tous, on veut. Mais, et que on doit savoir que Dieu est le pardonneur et le miséricordieux. Donc Dieu a toujours dit, pardonnez-vous, pardonnez-vous, pardonnez-vous ici, ici-bas. Si vous vous pardonnez, vous les êtres humains, moi je vais vous pardonner. Donc c'est ce que Dieu a dit. Vous comprenez? Donc, l'honorable Alpha-Yaya Touré, le DG de FET, Djabil Lansina, comprenez cela. Parce que je crois que Aflabé Slamé. Donc, Slamé Kanga Yafanyoro Mari. Ya, Ame Yafanyoro Ma, Alabe Yafama. Donc, Akango de Fama, Alabe Deli, Kirabe Deli. Vous voyez. Kisibaye Nemamaye. Donc, pourquoi on a demandé où te sont Deli Maula? Donc, ni Alabe Deli, ni Kirabe Deli, ni Kisi ni Nemabe Kirae. Donc, La ilaha illallah, Sayyidina Mawla Surya, sallallahu alayhi wa sallam. Salamu alaykum. Donc, aïe Sabali, aïe ni Kaleba, aïe Yafa Nourma. L'honorable Alpha-Yaya a trouvé, moi je te prie, va vers ton aîné pour lui présenter tes excuses. A tes fois et bila. A tni ke mordine, nami ke mroba, a ti ke mordine. Donc, c'était ce message rapide que je voulais lancer à ces deux grands cadres. Pour qu'on ait la paix, pour ne pas qu'on ait encore des divisions au sein du parti, pour ne pas qu'on retombe dans le conflit qui s'est passé entre nos pères ou bien nos grands-pères, le président Bédié, le président Babo, le président Ouattara. Donc, on ne veut plus que ce genre de conflit politique, hein, réapparaisse encore dans la vie, hein, de la politique ivoirienne. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo un peu rapide pour ces deux cadres. Donc, partagez vraiment la vidéo, amenez la vidéo à l'honorable Alpha-Yaya Touré et envoyez aussi la vidéo au DG de FET, Djabil Lansina, pour qu'ils puissent comprendre le message et enterrer leur hache de guerre pour que le parti soit uni et que pour qu'ils puissent donner de bons exemples aux militants et à la nouvelle génération aussi. Donc, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse le RHDP. Que aussi Dieu apporte la paix entre tous les fils de la Côte d'Ivoire et que Dieu protège la Côte d'Ivoire de tous ces conflits. Vous voyez. Donc, Alaga Jisma bon en bête du Soukouga. Donc, merci beaucoup. C'était Sidine de Fila, depuis Philadelphie. Mon message en Odo 44. Merci et bonne journée. On se prend pour notre vidéo, un autre direct. Bye bye. Thank you. I love you. Take care. Bye bye. Have a good day.